Florence Foresti est amoureuse. En effet, l'humoriste a officialisé son couple avec Alexandre Kominek lors du spectacle de Vincent de Dienne, un soir de gala, en juin dernier. Une histoire d'amour qui survient après 2 ans de célibat. À 50 ans, on se repose les vraies questions. Quel homme pour moi? Comment en trouver un? L'homosexualité féminine est-elle une option? Confiait-elle dans les colonnes de Télérama. Avant de tomber dans les bras de son compagnon de 33 ans, Florence Foresti a été en couple de 2011 à 2020 avec le réalisateur et scénariste Xavier Mingon, qui est notamment derrière l'écriture du film Hollywood, dans lequel joue la comédienne. Avant lui, elle a été en couple pendant 4 ans avec le directeur artistique Julien Mérès, de 2006 à 2010. De cette union est née une fille, Tony, en 2007. Florence Foresti n'a été mariée qu'une fois dans sa vie, en 2002, elle convole avec l'humoriste Jérôme Daran, avant que le couple ne décide de divorcer 2 ans plus tard. Sur ses noces, elle dira plus tard dans les colonnes de Marie-Claire, « Je n'ai été mariée qu'une seule fois, à Lyon, avec un homme que j'ai adoré mais avec qui il était impossible de vivre. C'était un mariage très romantique. Je ne me remarierai pas, sûr. » Florence Foresti, cette confidence sans phare sur sa vie sexuelle pas vraiment réputée pour sa langue de bois, Florence Foresti s'est montrée très cash en septembre dernier, alors qu'elle était invitée sur le plateau de Quotidien. Au moment de la séquence sur la playlist des invités, la comédienne a été interrogée sur la chanson qu'elle mettrait pour une nuit d'amour. Après avoir jeté son dévolu sur l'hymne de l'UEFA Champions League, cette dernière a expliqué, « Si est-il rare, il faut sacraliser l'instant. » À partir de 48 ans, il faut se rendre compte que si est-il un événement. Un événement en direct qu'on ne veut pas rater. Et il y a parfois des buts.